voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. C'est horrible, je peux pas être enceinte. Je prends un contraceptif et Claudio met toujours un préservatif. Bon, je veux pas t'alarmer, mais parfois les contraceptifs ne marchent pas. Ne me dis pas ça. Si je suis enceinte, je sais pas ce que je vais faire. C'est pas comme si t'étais une gamine. T'as un beau petit ami et une bonne famille qui a de l'argent. En plus, Claudio est fou de toi. Détends-toi, je suis sûre que ce sera un bon mari et un bon père. Il sera ce qu'il veut. Mais moi, je veux m'épanouir professionnellement, pas être une mère au foyer débordée. Ok. Mais t'en as discuté avec Claudio? Oui, et il me dit toujours que nous en discuterons plus tard. Mais je suis sûre que tôt ou tard, il voudra en avoir. Et à ce moment-là, tu vas céder? Non. J'en ai marre que Claudio, mon père et tous les autres me mettent la pression en me disant que je ne serai pas épanouie si je ne deviens pas mère. Et j'ai déjà pris ma décision. Je ne veux pas avoir d'enfant. Oh, regarde le résultat du test de grossesse. Aucune décision n'est éternelle, et encore moins celle que nous faisons parce que nous pensons qu'elles nous définiront à vie. C'est pas comme si je pouvais mourir pour toi, hein? Mais si on s'aime bien, qu'on a une alchimie parfaite au lit, en plus on travaille ensemble, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Je ne sais pas. J'imagine ce que ton père dirait de moi, parce qu'il a sous-entendu que j'étais un arriviste, mais... En plus, j'ai l'impression que tu arranges cette relation pour qu'elle n'aille que dans ton sens. Et moi, quoi? Comment ça, quoi? Je veux dire, n'importe qui serait heureux avec ça? Je ne suis pas n'importe qui. Et en ce qui concerne ta demande, je préfère continuer comme avant. Parce que pour moi, eh bien, il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une femme capricieuse qui veut tout contrôler. Qui pense avoir le droit d'être autoritaire parce qu'elle est au-dessus de tout le monde. Si tu ne veux pas que je t'aide... Non, je n'ai pas besoin de ton aide pour faire carrière dans l'entreprise. Et si à l'avenir on fait quelque chose de sérieux, je ne permettrai pas qu'on l'interprète de mauvaise manière. Que tu sois si honnête me fascine. C'est rarissime qu'on me parle comme ça. Mais bon, de toute façon, je pense et qu'on Et je a... pense surtout que qu'il est temps d'y aller, non? Et le mieux, c'est de laisser les choses telles qu'elles sont entre nous. Au moins jusqu'à ce que ton père ne me voie plus comme un opportuniste. On y va? Je ne sais pas quoi te dire. Je sais à quel point ta relation avec Mauro est sérieuse, mais c'est que... Mauro n'est pas mon petit ami. Il ne l'a jamais été. Tout ça était un malentendu. Et j'ai fait semblant pour arrêter les rumeurs de ceux qui pensaient que j'étais la maîtresse de Lisandro. C'est que toutes ces rumeurs me mettaient mal à l'aise et évidemment... Et puis avec Monsieur Mascaro, je ne savais pas où me mettre et voilà. J'imagine que ça a dû être très difficile pour toi d'apprendre la mort de ton père biologique. J'ai été plus affectée par le fait que ma mère ne voulait pas me dire qui c'était. Lisandro n'est même pas au courant. Ça doit être difficile pour elle de te parler de ça. Et même pour Lisandro, ça doit être aussi très compliqué et même douloureux. Parce qu'au final, il t'a élevé, il t'aime comme son fils. C'est un sujet assez sensible. Non, je préfère pas en parler maintenant parce que... Là, je t'ai dit... quelque chose d'important.
à faire pour l'instant, c'est de se concentrer sur tout ce qui est à venir. Que tu quittes le pays ou non, ne le fais pas à cause de quelqu'un d'autre. Tu dois le faire parce que tu as pris la décision. Je dois y aller, Javier. Prends soin de toi. T'es vraiment perdu, hein, Marie-Louise, parce que le frère de Roro s'appelle Dario, pas Mauro. Non, Biogenelab, à la réception. C'était toi, tu demandais à voir Mauro. Non, je pense que tu t'embrouilles. C'était sûrement quelqu'un d'autre. Enfin, parce que c'était pas moi. C'est pas pour vous, mais je suis content d'avoir un bon groupe d'amis. On devrait se voir plus souvent. Oui. Ah, mais oui, bien sûr, ce serait génial, non? Tu vois, se voir le matin. Oui, le matin. Pour courir. Ou le soir, pour aller danser. Non, faites pas ces têtes. Vous inquiétez pas, ce qui se passe, c'est que Roro, il aime rire de son handicap tout seul. Ouais, c'est une blague, hein, pas vrai? Ah oui, c'est une blague. Une blague. Oui, vous en faites pas. Détendez-vous. Ah, d'accord. Je préfère rire de moi-même avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à ma place. Ouais. Même si je doute qu'on se soit déjà moqué de vous. Ah non, non, c'est moqué de moi très souvent. De toi? Ouais. Pourquoi? Bah, c'est à cause de ma façon d'être. Le monde est rempli de machisme et il suffit de sortir un peu du moule pour qu'on se moque de toi. Et dans mon cas, c'était ça. J'aime la mode, j'aime le maquillage et c'est une raison de penser que je suis gay. Les gens, vraiment. Je vais te dire un truc. Comme dirait mon oncle Sébio. Laisse les champions. Laisse rouler. Comme ça, pas vrai? Oui, exactement pareil. Si t'es à l'aise, laisse-les. Et poursuis ton chemin. Comme c'est gentil. Un peu comme moi. Regarde, je roule. Eh bien oui, non, enfin, et puisqu'on parle de choses qu'on aime, personnellement, j'aimerais trop étudier pour être institutrice ou être infirmière. Un des deux, parce que j'aime aider les gens et les enfants. J'ai toujours aimé les petits. On m'a souvent demandé pourquoi, mais c'est parce que c'est comme des mini-personnes, vous voyez? Bonjour, Flore. Je suis sur le lieu de rendez-vous. Mais c'est beau, c'est beau. Ah, comme c'est mignon. Je sais pas quoi dire. Je suis jamais tombé amoureux. Non, en fait, de toutes celles dont je suis tombé amoureux, pas une seule n'a voulu de moi. Comment ça? Pourquoi? Les filles aiment quand leurs petits amis ont un moyen de transport, non? Mais elles n'aiment pas quand ils sont les deux à la fois. C'est simplement que c'est toujours la même chose à chaque rendez-vous, Gemma. Oui, elles s'enfuient en courant et moi en roulant. Oh non, vraiment, hein? Où est-ce que tu vas chercher tout ça? Vraiment, hein? Oh, t'es drôle. J'adore que tu aimes mes blagues. Entre nous, je peux te donner un petit conseil. Et si t'étais un tout petit peu moins amère? Je pense pas qu'elle te fuirait, vraiment. Non, je ne suis pas amère. Non, ne me dis pas ça. Je crois simplement que c'est à cause de mon handicap. Oui, c'est pour ça qu'elle me rejette toute. En parlant de ton handicap, je t'ai jamais vraiment demandé, mais... Comment s'est passé l'accident? Comment c'est arrivé? L'accident? Oui, enfin, je sais pas. Dimi m'a dit quelques petites choses, mais il m'a pas tout dit. Mais si tu veux pas me dire, alors tu me dis rien, hein, c'est pas grave. C'était la faute d'un homme malfaisant. Tu sais quoi, Gemma? Je veux pas en parler. On ferait mieux d'y aller parce que je commence à m'ennuyer. J'ai joué le jeu, alors maintenant je veux y aller. La vérité, c'est que je doute que cet audio puisse être considéré comme une preuve solide contre Lisandro. On n'ira pas jusqu'au tribunal. Je veux juste faire du bruit sur les réseaux, que ce soit viral, mais par le biais d'une plateforme crédible. Donc je t'ai appelé, Myriam. Ok, je comprends, mais qu'est-ce que tu veux tirer de tout ça? Faire des histoires pour ensuite devenir le héros qui le sauve de cette situation. Et en plus, de rendre justice à la femme qui a réellement créé ce kit. Eh bien, ça pourrait lui porter préjudice, et j'imagine que ce n'est pas forcément ce que tu veux. Je ne veux pas lui causer de problème, mais je pense qu'on peut prendre le risque. Tu es sûr de ta décision? Plus que jamais. D'accord. Mais quand tu vas aider Lisandro et que tu vas nier toute cette histoire d'enregistrement, ça va me retomber dessus. Non, pas du tout.
Et même si j'aide Lysandro maintenant, le jour viendra où on montrera son vrai visage. Et tu auras l'exclusivité sur toute l'histoire. Ok. Ça semble incroyable. Oui, mais ce sera pas tout de suite. Avant de poster l'enregistrement, je ferai quelques ajustements pour ensuite découvrir comme par magie que l'enregistrement est édité. Je veux attendre le bon moment pour le diffuser. Mais j'ai besoin de savoir si je peux compter sur toi. Promets-moi au moins d'y réfléchir. Je sais que tu es inquiète parce que, selon toi, Eric travaille beaucoup, non? Mais c'est une bonne chose. Oh, mais avec ton frère, je ne t'ai pas demandé, ma chérie. Tu as rendez-vous avec quelqu'un? Avec qui? Avec Flore. En fait, je lui ai déjà parlé. La fille qui est née le même jour que moi, que je vous ai montrée. Celle qui n'est pas jolie? Oh, papa! Ok. Elle est prête à nous aider. Mais tu l'as vue en personne? Et tu crois que c'est notre fille? Je ne sais pas. Flore est une assistante sociale. Elle est très maternelle. Ah. Et elle m'a autorisée à prendre un échantillon. Demain, avec ça, je fais son test ADN. Et si on était ses parents? Je ne pense pas. Non? Et pourquoi? Son père a récemment appris qu'il était atteint de leucémie. Il a un groupe sanguin très rare et le seul compatible de ses enfants, c'est Flore. Ah vraiment? Quelle galère, non? Oui. Il traverse une situation très difficile et malgré ça, elle a accepté de faire le test. Mais j'ai du mal à croire qu'elle puisse être votre fille. Si on ne retrouvait jamais notre fille biologique... Eh bien, ce sera le destin, non? Je veux dire... Quelle belle journée! Mais je suis sûre d'avoir déjà vu Rodrigo. T'as peut-être fait une erreur et c'est tout. Oui. Oui, je pense que j'ai de plus en plus d'idées folles. Oui. Bon, à bientôt. Non, attends, j'ai peur que ta mère sorte et nous voit. Arrête! Non. Ma mère rentre et va dans sa chambre. Oui, mais tu penses pas qu'il serait temps de lui dire la vérité? Ouais, je vais lui dire, sauf qu'elle doit apprendre à être plus... ouverte d'esprit, plus tolérante. Mais il y a aussi des gens têtus, qui ne se rendent pas compte quand ils ont de fausses idées. C'est exactement pour ça que j'ai pas dit à ma mère que je n'étais pas gay. Si seulement elle pouvait se sortir ses préjugés de la tête. Enfin, si tout le monde le faisait, ce serait un monde bien meilleur et plus heureux. Je t'aime beaucoup. À l'intérieur comme à l'extérieur. T'es tellement intelligent, tellement noble. Tu t'inquiètes toujours pour les autres, même si tu ne les connais pas. Et je t'aime encore plus. Vraiment, Marie-Louise, depuis que t'es entrée dans ma vie, tu l'as illuminée. Repose-toi bien. Toi aussi. Au revoir. Au revoir. Salut. Est-ce que la fille à la réception de Biogenelab sait que tu es mon frère? Non, je lui ai dit qu'elle avait confondu, mais je pense qu'elle se doute de quelque chose. Et franchement, je pense pas la revoir un jour. Pourquoi? Marie-Lou, c'est sympa. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Tu sais, elle est là, à se pavaner avec son copain, tu les aurais vus. Ils se tournaient autour, en courant, en marchant... Enfin, plein de choses que les amoureux font normalement. Tu sais, ceux qui peuvent utiliser leurs jambes, hein? Hé, ne pense pas de cette manière. Mais Dario, c'est la vérité. Je ne pourrai jamais courir. Ni danser. Ni m'amuser comme eux. Comme un couple normal. Mais bon, c'est mieux ainsi, non? Je veux pas avoir l'air aussi ridicule. Ils avaient l'air comme sur des nuages. C'était pathétique. Tu dois être très fatigué. Oui, c'est vrai que je suis à moitié mort, mais tout va bien, maman. Et si je mange d'abord, alors je vais mieux dormir. Ils m'ont gardé un taco, pas vrai? Ah, bien sûr. Je vais te le servir tout de suite, chérie. Bon, je vais juste enlever ma veste et mes chaussures et ça dérange pas, non? Mais non. J'ai une journée très chargée demain. Après le travail, je vais voir Christina. Elle m'aidera avec les données dont on a besoin. Ah, Christy. Elle est la fille d'Inès, c'est ça? Oui, maman. Grâce à son travail, elle a des contacts dans la police. Et elle peut nous aider à localiser les femmes qu'on recherche. J'espère que ça va t'aider. Oh, ma chérie, je t'aiderai à tout préparer pour les sandwichs demain, d'accord? Très bien. Pendant qu'Eric dînera. Eric! Oh. Eric! N'y pense plus.
publie l'enregistrement entre Alonso et le malheureux Lisandro et laisse-le se ruiner seul. Assez, assez, assez. Je ne veux pas parler de ça. Rodrigo pourrait nous entendre. Non, 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 bien. Non, je ne comprends rien. Tu le coules et tu t'en vas. Chut. N'essaie pas de jouer le héros, s'il te plaît. Prétendre non, parce sauver qu'au final, Lisandro. Il pourrait s'en sortir sans mon aide. Mais j'ai besoin qu'il me fasse confiance. Et puis Alonso doit payer pour avoir volé le kit de Renata. Oui, très bien. Maintenant, je commence à voir quelles sont tes véritables intentions. Tu le fais pour elle, quoi? Hein? Bien sûr que non, quoi? Accepte que cette fille te fait un peu vibrer. Dis-le et sois sincère. Non, parce que même si Alonso a volé le projet de Renata, ça ne veut pas dire qu'elle est la célèbre Miss Infidèle pour rien. Tu es sérieux? Vraiment? Ça justifierait qu'Alonso en profite pour lui voler son kit. Et encore pire, tu t'intéresses à la dite vidéo alors qu'on ne sait même pas si elle est réelle ou trafiquée pour qu'elle ressemble à ce que tout le monde a vu. Bah, pour autant que je sache, elle a bien embrassé ce type, non? N'aie pas cette attitude macho. Un homme jugeant cette fille pour quelque chose sorti de son contexte. Ah, mais bien sûr, si c'était un homme, tu serais là. Tu l'applaudirais. Réfléchis-y, mon neveu, je te laisse le faire. Hein? Aucun homme ne m'avait défié comme ça. C'était si fort, si viril, si... Ah, oh, j'aime. Mauro de plus en plus chaque jour. Non, Fabi, vraiment, qui peut te comprendre? Tu ne voulais pas le contraire? Un type docile que tu pourrais contrôler et gérer à ta guise? Ah! On se voit demain. Bye. Chérie, désolée si je t'ai interrompue. C'est que, apparemment, ton père ne viendra pas dîner et comme tu n'étais pas non plus dans la salle à manger, je me sentais un peu seule et triste. Et puis, demain, ton frère part. Oh, maman, l'histoire se répète. Tu devrais être habituée à son éternelle instabilité, maintenant. Je devrais plutôt être habituée à ton manque de sensibilité, de compréhension. Et ton manque d'empathie, Fabiola. Ah, désolée. Je comprends pas parce que je ne suis pas mère, je ne comprends pas ce lien sacré qui est censé exister avec les enfants. Non, c'est pas ça. C'est parce que parfois tu es trop égoïste. Et tu sais quoi? Je te félicite d'avoir décidé de ne pas avoir d'enfants parce que sincèrement, tu serais une mauvaise mère. Hé, hey, maman, calme-toi. J'espère juste que le jour ne viendra pas où tu voudras partager tes succès professionnels avec une famille. Parce que quand ça arrivera, il sera déjà trop tard, tu vois. Oh, maman, pourquoi tu dis ça? Dana, il se fait tard. Et toi, rappelle-toi que tu es punie, donc tu finis les devoirs qu'on t'a envoyés. Et tu iras chercher Dana pour qu'elle ne rentre pas toute seule. Oh! Je peux rentrer toute seule, pas besoin qu'Oliver vienne me chercher. Si on a de la chance, tu te perdras sur le retour. Et toi, Dana, obéis à mes ordres. Quant à toi aussi, tu passes la prendre et c'est tout. Oui. On y va, ils vont fermer les portes du collège. Allez. Hé, hey, maman, oui? Avant que tu partes, ce soir, je dois te parler. D'accord, je suis pressée, là. C'est pour ça qu'il a dit soir, maman. T'as jamais de temps pour nous, de toute façon. À cause de toi, je dois perdre mon temps avec une psychologue diplômée d'une université publique. Qui veut m'apprendre à être une bonne mère? Et comme si ça ne suffisait pas, je dois voir le père du garçon que tu as blessé. Alors je te remercie beaucoup, Oliver. Ah, c'est bon, problème réglé. On vient de m'appeler pour confirmer ma présence. Ok, Dana, on y va. La bonne nouvelle, c'est que... ils ont autorisé de vous payer les heures supplémentaires. Ah oui? Ah, oh, très bien. Je sais que personne n'est indispensable, mais avec ça, je me rends compte que j'ai de la valeur. Donc on va faire à nouveau équipe et ça nous permettra d'avancer beaucoup plus vite dans le projet. Oui, bien sûr. Seulement, j'ai une réunion à l'école de mon fils aujourd'hui, alors je rentrerai un peu tard. Ce n'est pas grave. Vous feriez mieux de vous occuper de ça et on se verra demain. Aujourd'hui, on commence toi et moi. Oui! À plus. Oh, il n'y en a vraiment pas deux comme Renata. Si j'étais vous, je serais super excitée comme une folle. Bien sûr, je suis contente. Mais je ne pense pas non plus qu'elle soit sainte Renata incarnée. Et même si c'était le cas, elle a besoin de moi pour faire son travail. Elle ferait quoi sans moi? Mon amour, justement, je voulais te voir. Salut. Tu fais quoi? Va là-bas. Tu as déjà oublié que ce petit jeu est terminé. C'est une blague.
Je n'ai pas si mauvaise mémoire. Mais maintenant que tu le dis, j'ai une question. On fait quoi? On dit à tout BioGénélab que c'est terminé? Non, je pense pas nécessaire d'envoyer un email à toute l'entreprise, non. Bonne blague. Mais si l'occasion se présente, on peut éventuellement le dire aux gens. Ah, super. Alors, qu'est-ce que tu vas dire quand on te demandera pourquoi tu as rompu avec cet homme si charmant? Ah, et en plus modeste. Oh, bien sûr. Si les gens demandent, c'est qu'ils sont très bavards et je ne pense pas qu'on devrait dévoiler notre intimité. Mais bon, s'ils insistent, on dira que c'est parce que ni toi ni moi n'avons de temps pour nous. On travaille au même endroit, personne ne nous croira. Oui, alors disons qu'on a des différends et c'est tout, hein? Je pense pas non plus que tout le monde doit savoir. Ah, ok, on peut aussi dire incompatibilité de caractère comme motif de rupture. Rigole bien, si tu veux. Hey. J'espère juste que ta vraie petite amie ne s'en prendra pas à moi ou ne ralentira pas mon projet de kit ADN. Écoute, t'en fais pas, et concernant ma relation avec Angela... Eh bien, on verra bien si elle ne me ralentit pas. On verra bien, c'est la seule chose qui m'importe. De nos jours, presque tout est diffusé sur Internet. Donc, si vous ne voulez pas que votre vie intime soit diffusée sur le net, ne postez pas d'images ou de vidéos de vous ou de votre partenaire. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso al respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso al respetar.